Dixon. Oui. Est-ce que tu sais que j'ai appris une nouvelle? Quelle nouvelle? Un secret d'État. Quoi ça? Mon vieux Brahma s'en va en France. Il s'en va en France. Et t'as pas dit quelque chose? Il s'en fait quoi là-bas? Est-ce que je sais? Bon, on dit s'en va en France. Tu te rappelles, il a appelé le colonel Melo, non? Oui. Le colonel Melo est parti là-bas. Oui. Il a donné beaucoup d'argent au colonel Melo comme ça. Mais tellement il est méchant, la queue noire, il nous maltraite, il nous donne pas l'argent. Et puis il n'a pas nous dit. Ah, c'est lui là, c'est l'homme. Pou. Il est pas bien, hein? À cause de ça même, lui c'est un chef, lui-même c'est le chef des cafards. Tu vois que dans les cafards, il est mauvais là, c'est quoi il est mauvais? C'est ça même. Ah, c'est Melo, c'est l'homme. L'homme femme commande là, comment il va nous faire? En tout cas, c'est ça même. Non, c'est vraiment ça. Mais Big Sony, oui, tu as faim, hein? Tu as faim? J'ai mal faim, lui. Maman, j'ai faim. Donc ça, on fait comment? Moi, je savais que tu as demandé. Il a payé en checker, il a gardé à quelqu'un. Oh, frère! Il a payé en checker, il a mis ça à quelque part. Il dit, on sait jamais. Non. Donc, on va aller manger. Aujourd'hui, tu es intelligent, même. Ah, toi, tu penses que quoi? Avant que le chef de Kafa va venir. Moi, je joue pas à la fin. Hein? Ça y est, là. Ça y est, là. Fais sortir. Fais sortir. Non, fais-moi prendre la chaise, là. Voilà. Non, ça est tout prêt. Tiens, à même temps. Viens. Regarde. Il a bien fait. Oh, oh bien tourner, faut bien tourner. Non, mets comme ça. Oh. Tu as vu de l'eau, non? Il a dit aujourd'hui là. Non, aujourd'hui là. Mais ça veut nous sourire. Non, Big Sony. Mm-hmm. Mais attends. Le chef pense qu'il est malin. Hey. Nous, on a montré qu'on est malin aussi. Que lui-même. Aujourd'hui, on va manger main gauche. Pourquoi? Habituellement, c'est pas main droite ça. Donc, c'est vrai. Main gauche. Non, il a fini la technique. Non. Aujourd'hui là, nous, on a fait technique. Non, il ne connaît pas. Il n'est pas habitué à ça, hein? Non, mais Dieu, on va s'habituer. Et puis, c'est pas ça, on va déjà m'imprimer. Il faut profiter. Mon dit, la vie est courte. Il faut que tout toi. Tu veux dire comment ça glisse? Non. Tu as honte. Depuis qu'on n'est pas moyen de checker à une façon. Si il savait, on allait payer beaucoup même. On sait jamais. Même pas grave, on va pas manger. Normalement, on doit boire un peu dans ça là. Allez, tu le chef de nous, tu n'es pas bon. Hein? Comment ça va? Non! Non, c'est lui qui n'a pas ce que tu veux. Yeri, nous quand on était aux États-Unis là-bas, là, on m'a mis en contact avec un Américain. Lui, il est bouté, hein? Donc c'est le chef qui m'a appelé, Yeri. Tu parles pas, hein? Non. Bon, comme un troupe là, il va tout rire. Après, il t'appelle. On va poser, ouais. Maintenant, ici, dans tout le camp déjà. On va voir après. Vraiment, ce gars-là, il va me tuer. Oh! Mais c'est quoi, c'est bizarre aujourd'hui, hein? Chef, bonne arrivée. Merci. Mais toi, depuis quand? Toi, tu portes les gants. Non, chef, aujourd'hui, il fait chaud. Il fait chaud? Oui, c'est ce qu'il a dit. Il non. Fait chaud. Lui, là, je le connais. Chef, lui, là, il te connaît. Si toi, t'as mis les gants, c'est que t'as mis quelque chose. Chef, je n'ai rien mangé. Tu disais, moi, pourquoi? Moi, je te connais. Chef, c'est vrai, il n'a rien mangé. J'ai mangé quelque chose. Non, il n'a pas mangé. Il n'a rien mangé. Il n'a pas mangé. Moi, je vais sentir. Si ça sent quelque chose. Chef, faut faire ce que tu veux. Ok. Ah. Big Johnny. Je vais essayer. Quoi ça? On a mangé. On n'a pas mangé. Non, on n'a pas mangé. Chef, quand tu manges, sinon, ça fait quoi? Alors, ça, c'est quoi ça? Quoi ça? Ça, c'est quoi? Vous devez checker ici. Non, c'est salité. Ça, on a trouvé ça ici. Attends, vous gérez moi. Donne-moi la main. Donne la main gauche là. Main gauche. Mais chef. Et donne-moi la main gauche. Ah. Donne pour toi. Chef, il n'y a rien. Donne ta main. T'en gardes. Enfin, vous gérez moi. Au là, comme ça, vous m'avez checké sa monétisation. À la mara.
D'où vous êtes venu de manière chic ici? Hein? Dans l'armée, 1 plus 1 égale à 1. Chef, non, ça chef, c'est 2. 1. En fait, tu dis les autres d'un militaire dans l'institut de ses fonctions. Hein? Pour qui vous êtes donné l'ordre de manière chic ici, c'est moi? Qui vous a donné? Répondez-moi ici aujourd'hui. Sois béni, mon fils. N'étais pas là, Amara. Tu as donné de l'argent à un homme de Dieu, tu as donné à Dieu. Amen. Bissoni, c'est pas moi, c'est Alamara qui a moyen de t'aider. Je vais te gifler tout à l'heure. Soyez bénis, mes enfants. À mon fils, désarme ton cœur, mon fils. Bonjour. Sois béni. Amen. Je suis le pasteur Yuda Lebon. Oui. De l'église internationale, Jésus est là. À l'avenir, vieux Brahma. Mon fils, comme l'église est de l'autre côté, et je vois qu'on dit qu'il y a un camp militaire ici. C'est le camp? Oui, c'est le camp. Oui. Ah. Comme j'ai appris que j'ai un camp militaire à l'avenir, vieux Brahma ici, mais depuis, dans mon église, je n'ai jamais vu un fidèle militaire. Ni un gendarme, ni un corabier, un policier dans mon église. Jamais. Aujourd'hui, il a décidé de venir vers vous. Parce que vous n'avez pas le temps d'aller à l'église. Vous êtes toujours fatigué. Vous nous suivez nuit et jour. Vous travaillez beaucoup. Je suis venu vers vous aujourd'hui. Pour partager une portion de la Bible avec vous. Ça aide. Ok. Est-ce que vous comprenez? Quitte les gars, c'est ça. Chef. C'est là qu'on a donné l'autre. Aïe. Quitte-la. Désarme ton cœur, mon fils. Mon fils, désarme ton cœur. Ne te laisse pas dérober par le diable. Ne te laisse pas embobiner par l'esprit malin du diable. Sois béni, mon fils. Parce que la Bible déclare que quoi? Venez à moi, vous qui êtes tous fatigués et chargés. Venez à qui? À Jésus. Venez à moi, vous qui êtes tous fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oh mon fils, le Seigneur a parlé. Tu es fatigué, mon fils? Va au Seigneur Jésus-Christ, va te donner du repos. Sois béni, mon fils. Tu sais, quand je te regarde comme ça, mon fils, il faudrait que tu viennes à l'église. Parce que quand je te regarde, tu peux servir Dieu. Oui. Moi? Oui. Avec servir ta... Dieu. Oui, mon fils. Et moi, c'est un militaire. Mon fils, c'est ta fonction qui est là. Mais tu peux aussi être un serviteur de Dieu. En comment? En quoi faisant? Voilà. Très belle question. Quand je te regarde comme ça, regarde ta forme. Tu ressembles à un batteur de mon église. Oui, tu attends, les tentables. Tu, oui. Attends. Attends mon fils. Mon fils, attends. Attends que je regarde tes pommes. Voilà. Ah, je ne me suis pas trompé. Tes pommes sont bien dures. Oui, tu peux être un bon batteur de l'église. Tam-tam. Et puis les. Oui. Tam-tam. On danse et puis on loue le Seigneur. Danser et chanter, c'est prier deux fois. Amen. Mon fils, oui, quand je te regarde comme ça, tu peux être un bon chanteur. Hein? Chante quelque chose, je veux voir. Je vois. Hé! Hey! Tu la fermes. Hey! Tu es malade. Mon fils, tu es malade. Mon fils. Attends, tu es artiste ou tu es militaire? Mais chef, dis de chanter. Bon, si tu es garçon, il faut chanter, c'est à voir. Parce que je veux. Mon fils, tu sais, il peut être un bon chanteur. Il peut être un bon chanteur. Un bon chanteur de mon église. Il a sa belle voix. Tu as une belle voix comme Claire Bailly. Tu vas accompagner, à l'église, tu vas accompagner la chante de Claire Bailly. Ah oui. Et toi, quand je te regarde, tu peux être un scout de l'église. Tu vois les scouts là, avec les cravates, les scouts à l'église, pour m'accompagner où je vais, être mes gars du corps. Tu peux être un scout. Sois venu, mon fils. Mon fils, parce que c'est l'église qui vous appartient. Il faut qu'on prie. Et pasteur, oui. Tu savais que tu étais en colère? Ah, ah non, non. Tu sais pas? Non. Et tu as soin des éléments. Ah oui? Ils ont fait quelque chose que je n'ai pas apprécié. Et ils pensent qu'ils sont intelligents que moi. Ah bon? Ici, je les ai interdits de main à checker ça, moi. Et pourquoi? Alors, c'est votre totem? Ils se cachent, c'est pas mon totem. Ils se cachent, je dis, pour moi, la checker avec la main gauche. Manger avec la main gauche? La main gauche. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que quand ils vont mettre la main droite, forcément, ils veulent savoir, ils veulent sentir. Il fallait toujours qu'ils mettent à checker la main gauche. La main droite, ils sentent. Mais cette fois-ci, c'est la main gauche. Moi, ici, oui, dans la tête, la main, là, je connais tout. Si je comprends bien, ils veulent tromper ta vigilance. Merci. Oh, c'est ça. Puis d'ailleurs, quand je suis venu, j'ai vu les graines à checker ici, là. Ceux qui ont checké là, ils ont caché à quelque part. Effectivement. Où a checké là? Chef, il y a Big Sony qui a caché. Il y a Big Sony. Bon, où a checké là? Pourquoi pas sortir à checker là? Pas sorti! Osez cacher de la nourriture à votre chef!
Le Seigneur nous enseigne de faire le bien, de partager. Le partage. Il faut partager. Depuis, mais... je suis venu. Mais j'ai partagé une portion de la Bible avec vous. Le partage est important. Mon fils. Mais, le partage. Oui? Mais c'est pas bon, ça, c'est pourquoi tu laisses aussi mon pays. Ça, c'est le symbole de la nation. Que Dieu, excuse-moi, mon fils. Il faut respecter ça quand même. Sois béni, mon fils. Sois béni. Amen. Dans le nom du Seigneur. Amen. Mon fils, oser donner de la nourriture à un homme de Dieu, tu es béni. Amen. Tu es béni, mon fils. Amen. Tu sais, mon fils, le Seigneur nous enseigne le partage. Seigneur, bénis ce repas. Seigneur, je ne savais pas que j'allais trouver cela ici. Seigneur, c'est toi qui as guidé mes pas pour que je vienne dans ce camp militaire. Venir parler de la parole du Seigneur, de ta parole, Seigneur. Venir prêcher la bonne parole. Et Seigneur, je suis arrivé ici, tes enfants ont pensé à moi en me donnant ce mets, la ticket. Amen. Seigneur, je bénis ce repas au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon fils, sois béni, mon fils. Amen. Voilà ce que dit pasteur. Non, chef. Non, mon fils. Non, mon chef. Si tu es garçon, il faut toucher. Non, pasteur, mais faut bien, il veut manger. Non, faut laisser. Le Seigneur nous enseigne le partage. Il faut manger, pasteur. Ouais. Tu prends beaucoup mieux, tu prends le poisson, ça, ça je dis, la partie là. Tu prends la partie là, c'est trop doux. Ça bénit ma fille. Amen. Non. Vous venez à l'église. Venez à l'église, tu m'envoies prier. Non, ils vont partir, ça va être problème. Parce que la prière, c'est ce qui peut vous sauver. Tu prends la petite partie là, c'est doux. Parce que vous êtes intelligent que moi. Parce que vous êtes intelligent que lui. Hein? Voilà, c'est ça même. Ah, bien, mon Dieu. C'est le Seigneur qui a guidé mes pas, hein? Non, non, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Tu vois, comme Jésus est bon. Oui. Jésus même sait qu'il t'avait fait un soleil, il t'a déjà fait ce qu'il vient de manger. Amen, hein? Amen. Mon fils, vous pouvez partager le reste à la maison, c'est un camp là. Sérieux? Oui. Oui, vous pouvez partager. Mon fils? Vous pouvez partager, ça n'y a pas de problème. Oui. Je vous attends à l'église. Non, il n'y a pas, on va venir là-bas. Là-bas à l'église? Oui, voilà ça. Mais tu ne peux pas ta dîme? Bon, je vais envoyer ça après. Tu as béni mon fils. Amen. Le Seigneur qui m'envoie ici. Merci, il faut partir. C'est à 5 ans, il faut partir. Le Seigneur est seul qui peut te bénir. Amen. Amen. Ouais. Donner de la nourriture à un homme de Dieu, tu as donné au Seigneur. Amen. Viens, mon fils. Ah, c'est fini, mon fils. Sois béni, mon fils. Tu t'attends à l'église, tu vas chanter. Hein? Pasteur, on dit de partir ça. Non. Pasteur. C'est bon. Parti, ça va. Soyez bénis. Amen. Je viens entendre l'église, hein? Mais pas de problème. Voilà.